version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les valider qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/ovela. Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, avant de débuter cette réaction, j'aimerais souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui le font, tout comme moi. Voilà. Donc, si aujourd'hui j'ai moins d'énergie que d'habitude, c'est normal, ok? Parce que je pourrais même pas boire de l'eau pendant que je suis en train de lire vos commentaires, par exemple. Et je sais qu'aujourd'hui, ça va être une longue lecture, yes! Car j'ai vu que vous aviez laissé pas mal de commentaires sous ma réaction du projet de la mixtape de Menace Santana Freestyle COVID Part 3, parce que je pense vous avoir posé énormément de questions durant ma réaction. Sinon, nous sommes ici pour réagir au tout dernier projet de Zamdan qui se nomme Sol Sad, qui je pense, à mon avis, veut dire soleil triste. Hein. Donc Sol, c'est soleil, et Sad, c'est de l'anglais hein, qui veut dire triste. Je pense qu'il a balancé ce projet en deux parties, mais aujourd'hui, on va réagir à l'entièreté du projet. Combien de pistes est-ce que ce projet contient? Eh bien, il y en a 20. Bon, ça fait peur comme ça, mais c'est finalement pas aussi long que ça. Je m'attendais vraiment à genre une heure et demie de durée, mais c'est juste 1h06. C'est déjà quand même assez long. Ça m'étonne d'ailleurs de la part d'un artiste, on va dire, un peu new gen, un peu récent, tu vois. Ça voudrait potentiellement dire que les chansons ne sont pas très longues, mais finalement, là, je suis en train de voir, et si, eh ben si, les chansons font 3 minutes 30, hein. La plupart d'entre elles. Eh ouais. C'est un projet qui contient énormément, pas mal de featuring, donc c'est cool. On va voir ce que ça va donner. Et donc, je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne, les réactions des longs projets sur le Patreon dévalidés. Nous débutons par la lecture des commentaires dévalidés sous la réaction du long projet de la semaine passée. Et après cela, on lit la présentation du projet du jour qui est offerte par Genius.com, s'il y en a une. Et après... on va débuter l'écoute du projet. On va écouter les chansons en lisant les paroles sans faire de pause. Et après chaque chanson, je vous donne mes impressions à chaud. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et si j'ai décidé de réagir à Sol Sad de Zamdan, c'est parce que j'ai reçu une tonnes de requests, comme on dit en anglais, mais vraiment, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos, que ce soit sur Discord, que ce soit par message privé, enfin vraiment partout, sur Instagram également. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va le faire et on va le mettre de côté. Voilà. Et encore une fois et toujours, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci énormément de rémunérer mon temps et mon travail. Et il y en a certains d'entre vous qui me disent que vous n'êtes plus des validés sur Patreon parce que voilà, il y a moins de contenu qui vous plaît. Et il n'y a pas de souci. Vous reviendrez quand ça vous plaira, quand il y aura d'autres projets, d'autres vidéos qui vous plaisent. Il n'y a vraiment pas de souci. Déjà, je vous remercie du soutien que vous m'avez apporté auparavant. Merci beaucoup. Allez, on y va.
وكان تيقول لك مسكين ما حتى واحد ما خسر صنع حتى واحد ما سخر صنعته بيديه هذاك كي واحد لا تسمع غير كي توك tout le monde veut être bien tout le monde veut être guéri tout le monde dans la vie en général tout le monde veut que des bonnes choses des bonnes choses mais il faut aussi ne pas oublier que pour acquérir ces bonnes choses il faut que tu les mérites. Alors qui a dit ça? Son père? Quelqu'un qui connaît? في الحومة نهار وليل كانت سنة رزق يجي وانا صبري قليل شحال من دمعة باقا في عيني وانا منشي كديني نهار زري يجي تجيني مالي يا مالي انا وحالي رجايا في رب العالي الدنيا كتجيرها بالعاني قاتني طاير كل ليلة وانا في طريقي حارب مع شحال من مشكلة شحال دارت ليام حتى جا نهار لي جات عيني في عينيها وقلبي بدا كيضرب من اول شوفة حسيت براسي كنبغيها كي غادي ندير ليها يا لاني قلت بغيتها صدقات شيطانة قاتني غينيا يا انا جامي نسيتها فرحات قلبي انا وشنو اللي بقى ليا قاتني طاير كل ليلة وشحال من مشكلة 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 في طريقي انا باغي ندير فاميلا 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 ليتوم وشحال من مشكلة 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 في طريقي وانا باغي ندير فاميلا 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 للدوم مون دي فاميليا طاير كل ليلة طاير كل ليلة وانا في طريقي اذا غاجوتي لي شيكر super chill. Oh, piano. Vraiment cool, hein, la diversité des instruments. On va enchaîner juste pour la transition, ok? Je converge, je fais des choix. À force, ça devient une maladie. Laisse-moi vivre ma vie. À ma guise, à ma guise, à ma guise. On n'est pas tous heureux. Je ferme les yeux, j'ouvre le feu. Quand je veux, où je veux, où je veux. Ou est-ce qu'on fait une écoute sans arrêt? Quand je veux, comme je veux, où je veux, où je veux. Yo, peut-être qu'on va. J'ai du sale pardon, moi je rends pas les dangereux. Joue un jeu, mais le jeu est dangereux. En vrai, je peux pas, parce qu'il me faut les paroles. Mais ouais, je voulais écouter la transition. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va laisser couler la chanson d'après. Comme ça, on ne bousille pas la transition. Et effectivement, la transition là était délicieuse. Parce qu'on a fini la première chanson avec un piano mélancolique. Vraiment très très beau, hein, et plutôt lent. Et au début de la seconde chanson, c'était exactement le même piano, mais avec un tempo plus rapide et tout là. C'était cool. Alors, qu'en pensez-vous de la première chanson? Moi perso, j'ai vraiment apprécié. Ce que j'aime bien avec Zamdan, c'est qu'il maîtrise plutôt bien l'autotune.
Certes, moi je me dis, une chanson aussi belle, des mélodies aussi belles, j'aurais préféré écouter un vrai chanteur sans autotune les chanter, tu vois. Mais voilà, au moins Zamdan sait maîtriser l'autotune. Alors, j'ai beaucoup aimé la composition. Voilà, ça, je trouve que la composition shine dans cette première chanson-là, parce que le début, c'est juste avec la guitare aussi, mélancolique, très belle. Avec Zamdan, voilà, qui chantonne en arabe, de l'arabe marocain, que moi, je comprends parce que j'ai vécu, j'ai grandi aussi au Maroc. Et puis, il a tout doucement introduit vraiment une basse parfaite, vraiment qui se marie parfaitement avec le reste. Et après, petit à petit, les percussions qui rentrent, le cake, le tempo dansant et tout, c'était très très bien. Voilà, je suis vraiment content. Produit par Baker et Dance. Voilà. Peut-être qu'un jour on le fera, hein. Peut-être qu'un jour on réagira d'une seule traite à un album. Si ça vous tente, hein. Moi c'est vraiment pour vous que je me permets de vous donner mes impressions à chaud à la fin de chaque chanson. Mais si vous me dites à l'avance que vous préféreriez que je réagisse d'une seule traite à un projet parce que justement... c'est un projet qui se doit d'être écouté ainsi, grâce à des transitions seamless, tu vois. Pourquoi pas. Là, tu vois, je m'étais pas préparé en avance. Si je me prépare en avance, on pourrait le faire parce que je pourrais ouvrir tous les tabs de chaque chanson pour lire les paroles et je pourrais passer d'une à l'autre facilement. Bon, on passe à ma guise. Donc là, on la recommence du début. Let's go. Je converge, je fais des choix. À force, ça devient une maladie. Laisse-moi vivre ma vie. À ma guise. On n'est pas tous heureux. Je ferme les yeux, j'ouvre le feu. Quand je veux, où je veux. À ma guise. Nice. Quand je veux, où je veux. Je fais du sale, pardonne-moi, je rends pas les dangereux. Joue un jeu, mais le jeu est dangereux. Endo, Socrate, c'est ici que je vis. Chili, calcule pas à les bêtises que je dis. Nice. Je fais mes choix, ma faut pas t'en faire. Hey, avec la voix aiguë derrière, let's go. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ou est-ce qu'elle cherche mes failles? Chaque fois que tu m'en oui, comme une fée, je fly. Dis-moi que tu veux de moi avant que je m'en aille. Dis-moi que tu veux de moi, dis-moi que tu veux de moi. Hey, le chopping. Regarde-moi briller. Il est utilisé comme transition. Je porte le poids des miens, c'est lourd, mais je fais ça en dilettante. Cherche une vérité, bon, mais c'est les mensonges qui me répondent. Je rendis dans le bendo, j'ai jamais croisé Peter Pan. Comme une machine, j'ai pas de sentiments. Pas de regret, pas de remords. Je suis coincé ici comme si j'avais l'épée dans le ciment. Wow. Si c'est Ayub Zedan qui me finance. Mes problèmes sont petits quand je vois à quel point le ciel est immense. Wow. L'amour me poursuit comme un autocollant. J'ai atterri la bébé, je sais même pas comment. Je dois oublier, je dois écrire des romans. J'ai des rêves, on m'a dit c'est déconnant. Mais je vois tout en grand comme détective Conan. Hein, je vois tout en grand comme détective Conan. Je connais pas ce détective, moi. À ma guise. Moi je connais Conan le barbare. Quand je veux, où je veux. J'aime bien son pré-refrain, hein. Je fais du sale, pardonne-moi, je rends pas les enjeux. Joue un jeu, mais le jeu est dangereux. Bendo, Socrate, c'est ici que je vis. Hey. Pas les bêtises que je dis. Je fais mes choix, m'en faut pas t'en faire. J'aime trop cette partie avec la voix aiguë derrière. Avec du délai. Où est-ce qu'elle cherche mes failles? Chaque fois que tu m'en oui, comme une fée, je fly. Dis-moi que tu veux de moi. Dis-moi que tu veux de moi. Yeah. Saxophone, baby. Ok, transition. Seamless. Aujourd'hui, ça va, j'ai fait.
vraiment seamless. Après, c'était pas très compliqué. Ils ont juste laissé le saxophone, en fait. C'est le saxophone qui a introduit la chanson d'après. Hein. Après, ils ont juste rajouté voilà, une guitare. C'était là le vrai début de la chanson Le Grand Cirque. Zamdan et Pomme. Ok. Alors, qui a produit d'abord qui a produit Boreix et Danse. Ok. Qui a produit Amagis. Là, on va passer à Le Grand Cirque featuring Pomme. Je suppose que c'est cette belle voix de femme, cette chanteuse. Oh, ça fait plaisir. Mais ouais, la transition a été excellente. Voilà. C'est juste le release du saxophone. Aujourd'hui, ça va, j'ai fait tout ça, les rires, la joie. Waouh. Demain, je sais pas, j'y pense déjà, j'ai peur de moi. Ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça. Elle chante bien, hein? Sans autotune. C'est le grand cirque de la vie, ça ira. Ah, oh, c'est rafraîchissant. Fais un vœu, changer de panorama. Chaque fois que mon cœur saigne, je nourris les piranhas. J'ai tourné toute la nuit, où est mon nirvana? Ah, ah. Quand je suis dans tes bras, le monde s'arrête de tourner. Viens, on oublie. Lui et Tiff devraient faire un morceau ensemble. Viens, on se parle en vrai, je passais l'âge de jouer. C'est le ciel qui me guide, c'est une étoile qui me montre où je vais. Ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça. C'est le grand cirque nice. De la vie, ça ira. Ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça. C'est créatif, c'est original. C'est le grand cirque de la vie, ça ira. On est où là? Un jour j'ai fait un vœu, changer de panorama. Chaque fois que mon cœur saigne, je nourris les piranhas. J'ai tourné toute la nuit, où est mon nirvana? Ah, ah. J'ai fait de mon mieux pour embellir ma vie. Le destin nous prend, nous des armes. En face de moi, les murs ont des oreilles, les moutons ont des armes. Je devais choisir ma branche, mais comme la pomme, je suis tombé de l'arbre. C'est pas une chanson triste, un moyen de m'empêcher de péter un câble. Intéressant, comme la pomme et la fille qui chante avec lui, son nom c'est Pomme. On oublie la nuit, on vit notre plus belle journée. Si on se parle en vrai, je passais l'âge de jouer. C'est le ciel qui me guide, c'est une étoile qui me trouve. Ne sois pas triste, ne pleure pas. Comme ça. Nice. C'est le grand cirque. La meuf, c'est son backup vocalist là. Ça ira. Dans les aigus et tout, beaucoup de reverb. Ne sois pas triste. J'aime beaucoup. Ne pleure pas comme ça. C'est le grand cirque de la vie. Ça ira. C'est relaxant comme chanson avec cette guitare. Vous entendez toute la réverb. Ben oui, c'est comme ça qu'ils introduisent la prochaine chanson. Ils introduisent un nouveau instrument qui coule vers l'autre chanson.
Franchement, si tous les artistes mais pouvaient faire ça. Dans le feu, les espoirs dans la cendre. Je voulais briller comme un diamant. Mon Dieu m'a dit pas maintenant. Very nice. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette chanson-là, Le Grand Cirque avec Pomme. C'était encore une fois mélancolique, relaxant. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à pas mal de guitare hein, dans ce projet-là. En tout cas, on a eu déjà du piano, de la guitare, du saxophone. C'est cool, hein. Est-ce qu'on a eu droit à des instruments à cordes? Je suis pas sûr. Produit par Dance et Pomme. Ah ouais, Pomme a carrément produit aussi l'instru. Nice. Je connaissais pas du tout Pomme. Voilà, c'est une belle introduction à une artiste qui sait chanter. Ah non, j'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, je ne m'attendais pas à ce qu'ils introduisent un gros kick et avec une grosse basse. Vraiment. Mais c'est super bien choisi. Ils choisissent des sonorités de percussion qui vont bien avec soit la guitare, soit le piano en fait principal. Et c'est très bien. Très très bien. Next, Million. Ah, là je suis en train de passer un bon moment malgré le fait hein, que j'ai une de ces dalles. J'ai tellement faim là. Mon ventre n'arrête pas de grogner. Alright, Million. Million. Piano avec des craquements derrière. Ou c'est le feu peut-être. Mes jeunes années dans le feu, les espoirs dans la cendre. Je voulais briller comme un diamant. Mon Dieu m'a dit pas maintenant. Ah oui, il a dit. Je combats l'insomnie, je combats mes peurs. Mais ces sales images tournent en boucle. Parce qu'il m'a fait mal au cœur, je lui ai ouvert la tête avec mon coude. Il m'ont saigné pendant des mois. Allô docteur, je crois qu'il faut me recoudre. Pitcher vers le bas. Pendant des années, personne m'a appris comment m'en foutre. Personne m'a montré comment aimer. Ma tête est remplie de pensées rainées. Je roule à 200 et je veux pas freiner. Comme si je voulais rejoindre les gens décédés. Je la protège, mais c'est moi son bébé. Parce qu'elle est jalouse, elle fait qu'enquêter. Si notre amour tient qu'à un fil, au fil du temps, c'est emmêlé. Nice. Elle m'a dit give me love, comme si c'était à disposition. Je lui dis que je tiens à elle, je lui exprime dans toutes les positions. Elle veut savoir je fais quoi dans ma vie. Elle fait des suppositions. Quoi qu'on essaie de construire, je suis un expert en démolition. Faut plus d'un million pour acheter ma haine. J'ai des problèmes d'adulte, joue plus à des jeux d'enfant. Ma mère c'est ma reine, elle m'aime pour qui je suis. C'est trop bizarre, pourquoi il est monté là-bas ma reine. Pourquoi? Le soir j'ai des visions où je cours à ma perte. Parce que mon intuition veut que je reste collé à la tête. Je veux plus entendre les bangs. Bang 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 bang. Non 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 non. On termine mes souvenirs à la guitare. Je me sens seul mais je suis bien entouré. Mon frère appelle. Cagoulé je suis endoué. Je tiens la barre du navire. Les sirènes essaient de m'envoûter. Faut que je reste loin du fruit défendu. Même quand c'est l'heure du goûter. Des fois je me sens comme un rat d'égout. Parce que je suis dégoûté. Je conduis comme un suicidaire. Parce que je suis dérouté. Parce que je te vois dans mes rêves. Au réveil, c'est je me suis demandé où t'es. Pour te revoir, je peux payer tous les prix. Peu importe que ça va me coûter. Parararara, depuis que j'ai perdu ma belle. Parararara, comme Akon, je me sens lonely. Ah, comme Akon, je me sens lonely. Parararara, comme Akon, je me sens lonely. Faut plus d'un million. Ah, c'est la chanson d'Akon là, Lonely. Quel hit à l'époque. Ma mère c'est ma reine, elle m'aime pour qui je suis. EDM, let's go. Mon miroir n'est pas ressemblant. Le soir j'ai des visions où je cours à ma perte. Parce que mon intuition me reste collé à la tête. Je veux plus entendre les bangs. Bang 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 bang. Malafuck, SCH. Je veux plus entendre les bangs. Bang 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 bang. Non 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 non. Cool. Est-ce qu'ils vont introduire un autre instrument pour enchaîner sur la prochaine chanson? Ou bien c'est le piano qui fera la transition?
Voilà, c'est... Ouais, c'est une autre mélodie qu'ils ont laissée à la fin de cette chanson pour introduire le reste. Je trouve la transition ici moins efficace en vrai, parce que ça ne coule pas de source. Oui, certes, c'est le même piano, mais on ressent pas une grosse transition. Alors, j'ai beaucoup apprécié Million aussi. Voilà, ses mélodies sont très bien. La composition de ses sons, elle est très intéressante. Et je trouve que pour l'instant, c'est des sons très relax, très chill, très mélancolique. Par contre, je ne comprends pas. On a l'impression que ces artistes de la New Gen et tout, ils se disent « On s'ennuie ». On en a ras-le-bol des mélodies habituelles qui fonctionnent. On veut faire des trucs bizarres. Donc, pendant qu'on est en train de chanter une mélodie normale qui fonctionne, tout d'un coup, on va rajouter un son aigu, voilà, qui sort de nulle part. Mais c'est comment ? Là, ça m'a tellement choqué. Je me rappelle même, c'était, il l'a fait quand il a dit le mot « reine », je crois. Pourquoi ? Pourquoi ? C'était bien sans ça. Surtout avec un artiste comme Zemden qui maîtrise l'autotune. C'est pas nécessaire de faire des trucs bizarres. Mais bon, il y a des gens qui apprécient. Anyway, c'était cool comme chanson quand même. Franchement, je sais pas si c'est des sons que je mettrai dans mon téléphone pour l'instant. Mais en tous les cas, je réécouterai ça avec plaisir. Un soir, je mets ça, j'écoute ça avec plaisir. Ça se laisse écouter. Produit par Skari et JY Prod. Ok. Next. Donc, on avait enchaîné avec Printemps. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous appréciez cette façon de faire pour des projets dont les transitions sont importantes. Voilà. Là, on rewind et on écoute. Bnadem Khamj, l'homme est dégueulasse. Je vagabonde dans mes rêves et mes cauchemars. Qui viendra me réveiller de mon coma. Hier soir, la lune a été plus exceptionnelle que normal. En tout cas, c'est pas un rappeur qui fait de l'ego trip. J'éparpille ma mémoire, ça ne m'en corps en deux. Ça fait même pas deux mois que je crois en moi. Et c'est même pas un rappeur pour moi. C'est un chantonneur. Mon Dieu m'a dit la vérité. Des fois j'ai menti sur toute la ligne. Je fais du mal aux gens que j'aime, c'est plus fort que moi. C'est résultat de mon âme qui s'abîme. Hier soir j'ai croisé un ange. Un peu à la Khali, un peu à la cocaïne. La violence attache mon cœur, mais je peux pas le nettoyer comme des. Un peu à la Tiff, Tiff aussi fait ça. Mes amis sont comme leurs armes, ils sont tranchants. C'est quoi cette tendance un peu idiome là? Et la drogue nous fait l'effet d'un pansement. Je voulais rester à ma place, mais étrangement. C'est dur à accepter comme un changement. J'ai qu'un endroit sur cette terre. Je pourrais faire ma. C'est un snap? Même si t'es loin de avec moi, de la reverb derrière là. Même si t'es loin de moi, j'ai du mal si nécessaire. Et si t'es mon ennemi, j'aurais aucune pitié pour toi. Aucune pitié pour toi. J'attends qu'arrive le printemps. Y'a une trompette aussi. M'a dit de sauter. Et je peux pas me jeter dans le vide. Ça, c'est de la house. Je peux pas me jeter dans le vide. Comme un oiseau, je veux rentrer dans le nid. Armé, concentré. Je peux que viser dans le mille. Veulent briser mon énergie. J'ai déjà marché le ventre vide. Ma chérie, je t'aime. Mais si on s'aime, on se contredit. Mes amis sont comme leurs armes, ils sont tranchants. La drogue nous fait l'effet d'un pansement. Je voulais rester à ma place, mais étrangement. C'est dur à accepter comme un changement. J'espère qu'un endroit sur cette terre. Je pourrais refaire ma vie. Même si t'es loin de moi. Même si t'es loin de moi. Je fais du mal si nécessaire. Si t'es mon ennemi, j'aurai aucune pitié pour toi. Aucune pitié pour toi.
Ouais, ça me rappelle beaucoup certaines mélodies de Tiff. Hein. J'attends qu'arrive le printemps. M'a dit de sauter, mais j'ai pas pris des noms. Eh ouais, c'est une nouvelle génération de rebeux là qui font du rap. Jeté dans le vide. Inspiré non, par leurs origines. Je peux pas me jeter dans le vide. Là, on a des cloches, là. Vous avez remarqué, hein ? Ils ont introduit les cloches pour la transition. Ils m'ont brisé une jambe, coupé une aile quand je voulais... Ok, alors j'ai apprécié Printemps, mais pas plus que ça en vrai, parce que les mélodies qu'il a choisies, ou plutôt les mots qu'il a choisis pour ces mélodies-là, je trouve pas que c'était fluide. Elle est pas mauvaise, hein, loin de là. Et encore une fois, j'ai plutôt pas apprécié la composition, le build-up. Je m'attendais pas à écouter de la house. Et le moment où ils ont introduit la trompette et je crois des hi-hats ou je sais pas quoi, les tic 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 tic, ça c'était cool. Ça c'était cool. Attends, est-ce qu'il a clippé cette affaire là? C'est le premier extrait de l'album de Zamdan. Ouais, je crois qu'il l'a clippé. Ah bah peut-être il réagit. Hein, qui sait? Produit par Danse, Arzel et Jérémy Patry. Alright, let's move on to Alouette en featuring avec Josman. Oh, cool, 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 cool. Alors là, je vois, là, j'ai les noms devant moi. Jos est sous la lune. Que cra Niska. Et je crois que Sofiane Pamart, c'est un... Est-ce que c'est un chanteur ou c'est un pianiste? Je crois que c'est un pianiste. Alright, Alouette avec Josman. Oh, let's go! J'aime bien Josman, j'ai plusieurs sons de Josman dans mon téléphone. Je crois qu'on l'avait introduit en live en plus, Josman. Ça me manque les lives. Ils m'ont brisé une jambe, coupé une aile, quand je voulais m'envoler comme une alouette. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Laisse-moi douter des liens qu'on a noués. Je tombais du ciel comme un ange ou un ovni, seulement pour honorer ce qu'on s'est promis. Shit, droga, arme, je suis entouré de vautours et de zombies, j'ai pas choisi ça. J'ai trop donné, je peux rien t'offrir. On dit que cette vie est un cadeau, donc ouais, ma part de richesse, t'es dans les mains de quelqu'un d'autre. Et cette haine n'est pas un fardeau. Traîne avec Picasso et Pablo, toi peins de mon tableau. Chili Gini Nishan. Je ne suis qu'un homme. J'ai pas changé, chili, je suis le même. Y'a que devant maman que je dis je t'aime. Je laisse mes sentiments dans la porte. Chaque fois que c'est fini, mes yeux saignent. Laisser des chiens dans leur niche. Je tournais comme un loup dans sa cage. J'attends plus rien de cette vie. Plus que j'ai plus aucune attache. Oh, oh, oh. Je dois rester froid comme la banquise et les métaux. Des cris qui se noient à chaque fois que je resserre les taux. Je suis comme les ongles, je pipi tard dans le bendo. Et comme les oiseaux, je dois me lever tôt. La guitare. Moi dire l'insane. Du piano, de la guitare. C'est cool, hein. Ouf, le Alouette, j'adore. Ils ont voulu me couper les jambes, me briser les ailes. Quand je voulais m'envoler comme une alouette. Les ailes. Elle se demande pourquoi je suis si peu bavard. Pourquoi mon âme est muette? J'avais la dalle, la dalle. L'appétit de l'ours, y'avait pas de bif du tout. Du tout. J'étais animé par la foi et la faim, j'ai les crocs et les griffes du loup. Je vois tout en noir et blanc, je vois tout en noir et blanc, j'ai les yeux noirs comme ça, la cendre. Moi je suis pas blanc comme neige. No. Bébé, j'ai pas le cœur tendre. No. J'ai le cœur lourd et y'a rien qui l'allège. Les pleurs, la peur, le sang et la sueur, le dur, la beur. Pour toi, je suis cassé du cœur. Fierté, classe et pudeur. Ma chérie, je suis glacé du cœur. Minuit 7, je me sers un whisky sec. 40 degrés réchauffe le cœur gelé. La froideur se répand, la froideur se répand. J'ai des stalactites dans le cervelet. Des idées sombres rongent mes ongles et mes songes dans la nuit esselée. Avec mes deux anges pour m'épauler.
Le silence embrasse mes hantises. Les cris de douleur font écho. J'ai le cœur gelé comme les métaux. J'ai le cœur gelé sur la banquise. J'ai le cœur gelé comme les glaçons dans ma boisson. Le cœur glacé, je n'ai plus de passion. Je suis dans l'action, dans la survie. Je veux mon Dieu, ma pareille, ma ration. Je dois. Il a assuré Josman. Des cris qui se noient à chaque fois que je resserre les dos. Il a béni Zamdan avec un gros couplet là. Et comme les oiseaux, je dois me lever tôt. On a bon, je pense qu'on aura droit à des chansons mélancoliques. Hein. De toute façon, avec un nom comme Sol Sad. Donc le soleil triste, tu t'attends à quoi? Je trouve pas les instrus tristes par contre, je les trouve mélancoliques. En les écoutant, je ressens pas de tristesse. Voilà, ils ont introduit un instrument à cordes. Voilà, le violon, pour enchaîner sur l'autre chanson. Seamless. Seamless. Oh, j'aime beaucoup le piano et les strings là. Je suis gentil, ça je retiens de ma. Je sens que ça, c'est peut-être une chanson qui va se retrouver dans mon téléphone, hein. Alors, Alouette, elle était cool, hein. Elle était vraiment cool. On a eu droit à du beau piano, on a eu droit à de la belle guitare, on a eu droit à un Alouette qui va parfaitement avec le reste. Franchement, niveau mix hein, et masterisation, là, et choix, en fait, des instruments qui vont ensemble, c'est parfait. Vraiment, c'est trop bien. Josman, il lui a balancé un couplet de malade, il a rappé, il a kické, mais il lui a dit Hey, je sais que toi tu chantonnes plutôt bien, tu utilises bien l'autotune, hein, mais je suis fort en ça aussi, laisse-moi te le démontrer. Et il l'a fait. Et Zamdan aussi, hein, relax, c'était bien, c'était franchement une chanson très bien, très chill, très relax. Et je suis pas étonné qu'il ait invité Josman sur cette chanson-là en particulier. Parce que je reconnais la patte Josman dans le tempo, dans les percussions choisies. Voilà, c'est un côté un peu sexy mélancolique en vrai. Et Josman, il fait dans le sexy comme pas possible. Produit par Easy Jew et Sofiane Pamart. Ah, c'est lui qui est sur le piano. C'est ça, hein, c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Je ne pense pas me tromper, je pense que c'est lui le pianiste. On enchaîne avec Bobo Alam. Bobo Alam, oh shit, c'est avec SO La Lune. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les valider qui soutiennent la chaîne. Patreon.